Observez bien. Quelque part dans cette image sont cachés vos quatre loulous préférés. Celui ou celle qui les trouve en premier empoche 500 000 euros. Quoi ? Ah, ok, pardon. Empoche un Tipex. Ou du Blanco, ça dépend comment vous dites. On n'est pas là pour juger. Moi, perso, je disais du Tipex, mais enfin, c'est pas... Solo! Ouais! Bonsoir! Bienvenue dans... Melly Mello. Les amis, comme c'est le 2, on a décidé de changer le slogan Melly Mello. Et cette fois, on s'est inspiré de Charlie la chocolaterie. Willy Wonka. La chanson Willy Wonka. Ah, avec oui. Moi, ça fait... Melly Mello, Melly Mello, Melly Mello, Mello 2. Legendary. Ouais, parce que j'estime... Alors, je vous le dis un truc. Tu mets la pression. Vous connaissez le principe. On fête finalement, on fête l'amitié. On fête la joie. On fête la solidarité, la fraternité et l'humour. Et on fête surtout le succès de cette vidéo mythique. C'est vrai que le 1 a cartonné, ouais. Merci. Apparemment. Vues, non, mais t'inquiète, coupe-moi, y'a pas de soucis. Apparemment, vous aimez nous voir jouer. Vous avez joué chez vous. On a eu beaucoup de tweets et tout, beaucoup d'insta. Je voulais juste remercier tous les gens qui nous ont fait des retours sur cette vidéo. J'ai eu même des artistes qui nous ont dit qu'en tournée, ils faisaient les jeux de la liste maudite et tout. Romo Elvis nous l'a dit. Romo Elvis. Mais les gars, les rappeurs. Je vous dis la vérité, on est très fatigués. On enchaîne les promos. Chaque vidéo. Allez, on jette tout sur la maison. C'est un truc de fou. Donc apparemment ça vous a plu, on a cococté. Oh hey, tu cocottes ou quoi? Non, non. Wow, premier jeu, tous les enfants n'hésitez pas à le faire. C'est le jeu des cow-boys avec des ciseaux pointus. Non, on a concocté plein de jeux pour vous divertir, pour s'éclater. Qui est fier des jeux qu'il a créés? Pour aujourd'hui? Ouais. Oli, normalement c'est toi le master de cérémonie. Je vais pas vous mentir que on a mis tellement la barotte avec le Melly Mello 2. Melly Mello 1. L'énergie. Attention, prenez mon pied, vite, édite une capitale, vite. C'est qui? Ok, virement tout le monde. Moi j'ai rien dit. Moi par exemple, j'étais pas ouf sur le premier en termes de création de jeu, hein, parce qu'en termes de charisme, voilà. Mais là, je suis plutôt content de ce qui va se passer. Donc il va y avoir plein de surprises. Je pense qu'on va kiffer. J'ai un premier jeu, les amis. Il est facile à refaire chez soi. C'est vraiment pour démarrer, pour s'échauffer. Okay. Ça s'appelle Aile de Pipige, tout simplement. Melly Mello 2 Legendary. Car on estime que cette vidéo va être légendaire. Et à chaque fois faut dire ça. Non, oui. Aile de pipiche est très simple. Vous prenez un objet, ça peut être n'importe quel objet. Il faut tout simplement le taper en aile de pigeon et le rattraper à la main. C'est nul. Le plus de fois possible. Ça peut paraître nul, mais ça peut vous amuser des attributs. Ah oui. Je l'ai fait un peu avec mes potes. Aile de pipiche. Et je veux voir, attendez, je vais voir avec le hashtag aile de pipiche vos meilleurs skills. Ah oui. Legendary, je vous ai dit. C'est juste un plaisir pur et intrinsèque ou il y a un enjeu, un gage? C'est juste un plaisir pur et intrinsèque. Comme les jeux. Un train mouillé quand il pleut. Un train sec quand il fait sec. Aile de pipiche, tout simplement. Ah, c'est moi, je suis chaud, j'adore. C'est parfait. Oui. À moi. Ok. Je veux l'en faire, je vais y arriver. Je veux l'en faire. Wow. Non, la vache. Quoi? Regardez, c'est trop stylé. Non, c'est pas cassé. Du papier. De toute façon, on s'en fout, on en a tellement là. Oh, le rhum est déjà platine. Allez, on y va. Fais pas impression. Oh, c'est compté. Et c'est bon. Les gars, vous rendez pas compte à quel point c'est lourd. Aile de pipiche, tac, tac. Oh, bien sûr. 1, tac, tac. 2, tac, tac. 3, tac, tac, 4, tac, tac. Les gars, par hasard, vous avez pas joué dans le stade de votre ville natale? Les amis, on sera au stadium le 25 mai. Putain, on peut faire de la pub comme ça? Bah ouais, c'est ouf. Stadium de Toulouse, c'est un truc énorme. Le dernier qui a fait ça, c'est Michael Jackson. Chopez vos places, c'est sûrement déjà complet au moment où la vidéo sort. Et on en a sûrement déjà lancé un deuxième. Oh. On est aussi à la Défense Arena à Paris le 26 octobre. Oh, les amis, 40 000 j'imaginais personnes. Pas que tu non plus. C'est la finale de pipi. Ouais. Très bon premier jeu, bravo Flo. Pour vous dire, chers amis, officiellement, objectivement, et vous pouvez le dire en commentaire, la calvitie d'Olivio est plus importante que la mienne. Ah ouais? Non, ouais. Pas du tout, frère. Non, voilà. Prenez en compte, 32 ans, t'as quel âge? 22. Hey. 22, 32, prenez en compte tous ces trucs-là. J'ai triché? J'ai mis de la poudre, t'as pas compris? Ok, j'ai un jeu, les gars. Ce jeu s'appelle Monoprise de Judo. Si vous avez vu la vidéo où on a reçu des abonnés dans le studio, c'est inspiré de cette vidéo et notamment d'un moment dans la vidéo, les gars. Je vais vous donner le slogan d'un produit Monoprix et vous allez devoir deviner ce produit. Suivez-moi, on y va. Flo, tu nous suis. Quoi? Il y a des vrais gens qui font des vrais boulots. Les gars, c'est énorme. On va au Monoprix là. Si, y a eu. J'ai ouvert la porte, il se l'est pris en pleine gueule. Écoutez bien ce que m'a dit Oli. Les gars, c'est énorme. On va au Monoprix là.
On va pas au Monoprix. Le mec potentiellement trouve ça dingue d'aller au Monoprix. Dans les produits Monoprix, il y a toujours une petite phrase marrante, une petite blague. Oui. Que on va devoir trouver. Oui. T'imagines s'il y avait Squeezie là qui nous ouvrait la porte, ça serait un truc. C'est incroyable. Merci mec en tout cas. Ouais, et donc, est-ce qu'on va rencontrer des gens qui bossent chez Monoprix? Non, non, on va pas chez Monoprix. Le nom du jeu. Ah non, mais je vais pas faire du judo, frère. Ah bah. Ah non. Melimello, 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 Melo 2. Chante au-dessus de ça. Allez, big up. Wow, wow. Tu passes dedans, tu dois. Oli, tiens, Oli, tiens-le, Oli, tiens-le. Attention, ah. Voici le premier invité, Mathieu. Mais c'est énorme. Dieu, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Non. Vous le connaissez pas, vous l'avez vu sur internet. Regardez bien le gars. Vous l'avez vu dans French Nerd notamment. Je passe par devant et je tire comme un taré. Ça devrait attirer leur attention. J'ai aucune envie de faire du chuteau. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Max Pontois, sans qui nous ne serons rien. À la prod. Ok, attendez les gars. Donc monoprix de judo, vous avez compris. Slogan monoprix, Mathieu Poggi. Merci Cardetto. Et surtout, petit kimono pour tout le monde s'il vous plaît. Allez. Je déteste les sports de combat. Je déteste me faire violenter. Mais quel que soit le jeu, quel que soit le moment, je suis très douillé comme garçon. Tu es David Douillet, rapport au judo. Oh 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 1000 euros à la personne qui s'appelle vraiment David Douillet en France. Je vais créer un mail qui s'appelle je suis David Douillet @gmail.com et je lui vire 1000 euros. Non, David Douillet, il a pas besoin de 1000 euros. D'accord, ok. Si tu t'appelles David Douillet, pour compenser toutes les blagues que tu as subies, au lit, 1000 euros. Je t'envoie un mail. Je suis David Douillet @gmail.com. Ok, et vous envoyez une photo de votre carte d'identité. On vérifiera évidemment avec juriste. Déjà, il a la ceinture noire, les gars. Ah bah, regardez. C'est longtemps qu'on t'a pas vu. Ça fait très longtemps. La dernière fois, j'étais rugbyman. Mais oui, dans le clip, est-ce que c'est gay? Est-ce que c'est gay? Y'a une façon de fermer la ceinture? Ah, je vais la remettre. Ah, parce que là. On est mal parti, yes. Eh hey, Mathieu, écoute-moi bien. Florian, tu vois là-bas. Regardez-le. Sache qu'il est pas à l'aise. Franchement, hein, je kiffe les vidéos avec les frères. Mais ce jeu-là, si on me l'avait fait valider, j'aurais dit franchement, non. Sachez que dans cette vidéo, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je n'ai, à part ce jeu, aucune autre idée de ce qui va se passer. Max va nous donner des slogans de produits Monoprix. Comme vous savez, les produits Monoprix, ils mettent des petits slogans, en général un peu drôles, avec des jeux de mots dedans. Avec le slogan, on va devoir deviner le produit. Si le produit est bon, je passe mon tour, c'est bon. Si le produit est mauvais, on se retrouve au tatami. Le salut judo, c'est les mains le long du corps, ouais. Les talons joints, et on va juste incliner un petit peu la tête, les épaules et se redresser. C'est beau, ah, c'est magnifique. On commence par celui qui a la plus petite pointure de pied. 45, 44, 43. Bah, c'est nul, vous savez très bien que ça va être moi, Spido. T'es à combien? 40, 41, c'est bon. Ouais. Allez, ce matin, sortez-lui le grand jus. Un jus d'orange, tout simplement. Tout simplement. C'est gagné. Yes! Goûté et approuvé par le petit chaperon rouge. Moi, je sais ce que c'est. Non, 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 chut, on l'avait dit en goûté vidéo. Goûté et approuvé. Par le petit chaperon rouge. Attends, j'ai jamais regardé le petit chaperon rouge, il est mon costume. Regardez, j'ai jamais regardé. J'ai jamais regardé. C'est une série pour lui, c'est Netflix. C'est sur Netflix. Des biscuits. Non mais le petit chaperon rouge, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo. Il apporte du beurre à sa grand-mère. Eh oui. Dans le compte. Tatami. Tata Molly. On fait un petit slogan Melly Mello avant de commencer. Melimello, 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 Melimello de Legendary. On a le droit d'attraper les habits au judo? Ok, c'est on a que ça, non? Il y a pas de coupe, c'est ah. Toutes les projections des. Oh putain! Des... Il connaît ni le chapeau rouge ni le judo. Ouais. Ouais. Allez, on y va. Oh gentil, oh, gentil. Belle. Alors les gars, la première elle est gentille. La première. Elle est bien tapée, c'est pas fait mal. Mathieu. Sache que je tiens à dire pour les gens qui connaissent pas, les tapis sont durs de judo. Les tapis, les tapis, la culture les socles. Ah si, je sais, ça c'est un tatami. 8 ans. Ok, on y va. Il vient de fêter ses 8 ans. Allez, j'y vais. Validé par Monsieur Seguin. Bon, facile ça. Du fromage de chèvre? Ouais, moi par contre. Oui. Merci des auteurs Monop. Tellement bien roulé qu'il emballe tout ce qu'il veut. C'est facile. Je dirais papier aluminium. Oui. C'est des fils. Ah tiens, t'as fait un truc très mimi. Hein. Ouais, je sais, mais j'ai encore mal au dos. Elles ne font pas tâche à l'apéro. Elles ne font pas tâche à l'apéro. Les pistaches. Évidemment. Oui. Il a ses entrées dans les clubs sandwich. Tucci. Moi je l'ai. Ah ben c'est du pain de mie. Melimello, 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 Melo 2. Legendary. 3, 2, 1. Il a bien chuté, il a très bien chuté. T'as vu ses sens ou pas? Bravo Mathieu, c'est bon. Pour une fois, laissez-les boire au goulot. Oh la vache. Ah ouais. Quoi? Ça sent le hippon. Oh. Non, ça fait, ça fait. Une gourde, une gourde. Moi je dirais que c'est des petits jus de fruits pour enfants. Non, c'est des compotes. Ah, des gourdes de compotes. Oh, regardez! Regardez! Il y a marqué gourde, pour moi c'est validé. La vérité, si je suis très honnête, je pensais vraiment à une grosse gourde d'Astérix. Tatami! 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 Ah, d'accord, 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 quoi, quoi! Te stresse pas, te stresse pas, détends-le. Ouah! Oula, ça va, ça va. 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 Oula, ça va, ça va.
la vache. Il y a eu un truc, non? Il y a pas eu un truc? C'est les poumons. Il y a pas eu un choc? Non, c'est les poumons qui se contractent. T'as pas eu du mal? Mélimélo, Mélimélo, Mélimélo. Il est très très léger finalement. Ouais, ouais. Chic chic chic, taille taille taille. Facile. Mec, ça, mec. Mec, je déteste. Pour la beauté du geste, si tu trouves pas et tout, moi je donne une réponse. Si je me chie, je fais aussi une prise. Oh. J'ai pas compris. Ouais, prise de risque. Répète-moi. Chic chic chic, taille taille taille. Ensemble. Chic chic chic, taille taille taille. C'est chaud. 3, 2, 1, ciao. Nem. Mais oui! Quel rapport avec chic? Chic? Ah, le chic quand tu. Quel rapport avec chic? Écoute-moi bien, ce n'est pas du tout ce que j'allais dire. J'allais dire du poulet thaïlandais, parce que chic, chicken. Ah! Flo est meilleur auteur. Allez, sur le tatami, allez sur le tatami. Non, mec, j'ai peur, non, non. Quand on va en colonie de vacances, on se demande toujours c'est qui le mono? Oui, laisse-le! Laisse-le! Non, non! C'est là, tu l'as connu. Allez, allez, non, putain! Détends-toi, oh détends-toi, oh détends-toi, détends-toi. Allez, oh, non, 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 non. Lucas, te bras. Ah, ah, si, 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 si. Abandonne, abandonne. Deux fois. Oh merde, oh merde. Deux fois pour abandonner. Attends, t'as cassé la cape. Pardon. Bravo, félicitations. Moi, j'ai un angle. Plus aucune retenue. Ok. Quel gars? Ah, mais faut pas que je vous blesse non plus. Hein. Plus aucune retenue. Il a le soleil lui tourne autour. T'es vraiment un bâtard, toi. Tu m'as pris la pire. C'est sûr qu'il y a aucun rapport. C'est des graines de tournesol, mon pote. Oh, oh non, non, non. Tournesol. Non, non. Dites en commentaire si je méritais. Non, mais pas du allez, tout. T'as bien réfléchi. Alors, juste, petit détail, j'ai mal à ce pied, donc faut pas m'appuyer dessus, quoi. Oh, la technique du martyr. Je vais pas shooter de l'autre côté, alors. Putain, mais mec, comment tu m'as non, soulevé non, non. Je suis pétrifié de peur, sachez-le. Tranquillement, attends, je le fais doucement. Allez. Il s'accrochait un peu triché, moi. Je peux la refaire. Non, 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 non. Vous avez vu la crispation de sa main? Pas mal. L'aigle. On m'a jamais violenté de toute ma vie. Parce que tous les mecs costauds qui voulaient me faire du mal, ils savaient que le moindre coup, ils me tuaient. Donc je n'ai jamais eu à me battre. Les gars, vous êtes tous très gentils et on vous kiffe. Merci de regarder nos vidéos. Mais le coup de nous croiser dans la rue et de nous faire trop aucun avant ensemble, ça nous met hyper mal à l'aise. Les amis, moi, on vit toujours un mauvais moment. Les amis, ça me met pas du tout mal à l'aise. C'est toujours un plaisir de vous voir, de vous croiser dans la rue. Trop aucun avant ensemble. Étagère, épave et satellite. Trois personnalités publiques qui n'ont rien à voir ensemble. Harry Roselmack, Mimi Mati. Télé. Et Thomas Pasquet. Non, mais oublie. Thomas Pasquet. Tiens-moi les mains. Il est sympa, mais il est gratiné. Bien. Je comprends rien, je connais rien, la cuisine gratinée de quoi, les gars? Putain. 3, fromage, 2, fromage. Fromage quoi? C'est un nous, peu large. Ah, c'est un peu large, mais du fromage gratiné, le fromage qu'on gratine tous, là. Le, oh là là. Le graton, là. Le... Du fromage râpé, de l'emmental, quoi, de l'emmental. Oui. Et ben c'est ça. Oh oh j'ai envie de refaire un petit allez, combat. Allez, on fait un petit combat. McFly contre Mathieu. Rappelez-moi en commentaire le principe de la vidéo. Et judoka. Non, 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 non. Allez, défends-toi, McFly. Oh. McFly, défends-toi. Mets des coups. Allez, toi, t'as ouais, c'est pas mal, les petits fauchages là. Ça, c'est bien. Oui. McFly, toi, sur place. Oh là, oh, mais il tente, hein. C'est légal là ce qui fait mal. Incroyable. T'as le droit, t'as le droit. Voilà. Oh, oh, oh. Oh là, 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 là. Il y a un câlin. Elle s'est accrochée. La retombée. La retombée. La retombée. Ah, ah, comme... ah. Voilà, c'était... Aucun poids. Aucun poids supplémentaire. Ce. Merci à tous. On remonte en studio les gars, merci Mathieu, t'as merci tout déchiré. Mathieu. Merci Max, t'as assuré. On va ranger toute la nourriture bien sûr, on ne gâche pas la nourriture. Retour en studio. Méli-mélo, 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 mélo de legendary. Parce qu'on estime que cette vidéo va être légendaire. J'ai une autre roulette à vous proposer. On a fait la roulette P, là la roulette M, M. Et maintenant nous allons faire la roulette T. Lancez oh. Twitter. Alors mets-toi en haut de ta timeline et nous allons scroller et quand on dit stop vous êtes obligé de retweeter. C'est très bonne idée. Imagine si tu tombes sur un truc facho et tout. Eh bah c'est bien ça. Ça veut dire que tu suis un truc facho ou des potes qui suivent un truc Stop maintenant. Tim fait des vidéos qui dit regardez la photo de profil de couverture de Jean-Luc Reichmann. On dirait le compte d'un youtubeur. On part là-dessus. Ça me va. Tu retweets. C'est retweeté. Ça va Tim, gros big up. Ça va, il s'en sort bien frère. Flo, t'es prêt? Et tu scrolles. Tu regardes en l'air, c'est stop maintenant. Eurosport. Areola prolonge jusqu'en 2023. Le PSG. Personne ne va comprendre pourquoi on retweet ça. Tout le monde va dire eh, vous êtes en train de tourner une vidéo avec McFly. Oui. Scroll. Stop. C'est le compte qui s'appelle Impose ton anonymat. Et c'est des photos complètement dingues, complètement barrées. Et là, c'est un mec à côté de quelqu'un qui a des pieds brûlés. En fait, je suis retourné. Ah ouais, c'est le jeu. C'est un peu dur. On enlève tous son tweet. Ouais, scroll. Stop.
Arte. Oh, putain. Oh, dis donc, les gens vont trouver ça complètement dingue. Vous aussi revisiter un grand film, quels seraient les titres des... Par contre, j'ai RT Arte. Ouais. Vas-y, pipiche. Ouais. Ton jugement dans le move. Il était beau. Est-ce que vous êtes chaud pour mon petit jeu? C'est un nouveau jeu, c'est pas un recyclage de Méli Mélo. Qu'est-ce qui nous a préparé? Ce jeu, je l'ai appelé nom ou prénom. Oh, avec moi, ça fait nom ou prénom. Les amis, c'est très simple, il va y avoir un inconnu qui va rentrer dans cette pièce. Vous ne le connaissez pas et on va devoir deviner son prénom. Quel bonheur. Oli est le king. Oli, c'est le roi, putain. Salut mec, ça va? Je pense qu'on a le droit à 5 tentatives chacun. C'est énorme. Ah oui, mais non, mais il faut trouver un prénom précis. Et c'est très dur. Moi, je le sens, Valentin. Je dois répondre maintenant? Tu dois dire oui ou non. Non, si. Quoi? Quoi? Mais non. Non, arrêtez, c'est pas vrai. Arrête. Monte ta carte. Mais non, les gars. Mais non. Mais c'est pas possible, il va me niquer le jeu. J'ai bossé des heures pour trouver ça. Mais t'es pas sérieux? Frère, je le savais. Mais c'est quoi ce mec? C'est quoi ce mec? Non mais les gars, je tiens à dire, je vous jure que c'est pas truqué, je vous le jure. Tu te souviens de ton pote d'enfance, Valentin? Oui. Je trouvais qu'il lui ressemblait un peu. Et j'ai dit Valentin. Regardez, il est en catatonie, regardez. Du coup, ça n'est pas truqué. Comment tu t'appelles, Valentin? Oui, au revoir, Valentin. C'est le meilleur de tous les scénarios. Merci. Je voudrais qu'on m'applaudisse. C'est un gros manque de confiance. Je voudrais qu'on m'applaudisse. Oui, bravo, bravo, bravo. Est-ce qu'on peut laisser Valentin nous raconter? Mais comment tu fais pour reprendre une vie normale? Il a deviné son prénom avec, écoute bien, aucun indice. Rien. Bébé, il me touche pas. Tu sais combien il a de prénoms? Fabien Olicard, je t'attends. Merci, Valentin. Les gars, on m'applaudit. Les gars, toi qui as, dis-leur que c'est pas de la triche. Non, mais regarde, mec. Les gens qui se disent, c'est truc. Ça voudrait dire que on fait venir un mec, on connaît le prénom et le premier dit directement son nom. Oui, mais on n'aurait jamais dit. Les gars, la vie de mes fils, ça n'est pas truqué et je ne croise rien, même pas mes testicules qui sont pourtant si. Mais je le sentais qu'il s'appelait Valentin, je te jure. Mais t'es un monstre. Les amis, vrai ou faux faux là, il y a des mariachis derrière la porte là. Vrai ou faux faux. Allez. Des mariachis. C'est le mec. On l'a dit, les gars. Allez, on l'a dit ou pas? Legendary. Legendary. Vrai ou faux faux. Melimelo. Melimelo. Melo de Legendary. Parce qu'on estime que cette vidéo est légendaire. Cucaracha, c'est sûr que non. Cet enchaînement n'existe pas. C'est impossible d'avoir deux. Sûr que non. Regardez la loose en live. Allez! Un autre vrai ou faux faux. Vous savez que le vrai ou faux faux, c'est quelque chose de facile, de spontané et tout. Vrai ou faux faux, il y a Sopra qui nous attend, Soprano, que vous connaissez bien, que vous aimez bien, dans une salle quelque part pour faire un ping-pong. Pas du tout. Mec, c'est impossible. C'est sûr que non, non, non. Sopra, non. On les passe. Non, arrête. Non. Mais non. Allez, arrête. Qu'est-ce que cette vidéo? T'as ramené Soprano. Dans cette vidéo, on ne sait pas ce qui se passe. En fait, c'est vrai, on n'a même pas précisé. On a tous prévu des trucs et personne n'est tout courant de ce qui va arriver. C'est vrai. Là, si on y va, c'est qu'il y est, quoi. Bah, je sais pas. Non, si on fait déplacer alors qu'il y est pas, en vrai, c'est chiant. C'est génial. Mélimélo. Ok, je vous laisse aller dans la grande salle qui est juste ici, messieurs. Sopra, mesdames et messieurs. Je suis sûr qu'il y est pas. Oh là là. Regardez Karl, il y a une réunion, frère. En aucun cas, je n'ai contact de Sopra. Excusez-nous pour la réunion. Il nous fait déplacer. J'ai aimé que mon intitulé soit crédible, tu vois. C'était très crédible et le ping-pong, je me suis dit, c'est un délire, hein, la Carlito, ça. Même pour les gens, ils vont être là. Ok. Le jeu s'appelle la caddie. Ah oui, la caddie. La caddie, c'est un jeu auquel on joue en soirée, en généralement fin de soirée. Et c'est surtout un jeu qu'on a inventé en tournée et il s'appelle la caddie parce que notre régisseur s'appelle Max Cadillon et on va voir une photo de lui là. Le nom du jeu prend le nom de famille du champion, en fait. Ah, ok. À chaque fois. Donc ça s'appelle la caddie aujourd'hui. Ok. On doit dire à tour de rôle à une des personnes une petite phrase, un onomatopée ou tout simplement un mot. La personne doit répéter cette chose-là sur la même intonation en regardant droit dans les yeux sans rire. Une fois que c'est fait, le tour est validé, on passe à la suite des personnes. Le but, c'est d'éliminer l'autre en faisant rire. Ah oui, si tu le fais rire, il est éliminé. Melimelo, 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 Melo de Legendary. Je serre sur McFly. Ah oui, d'accord. Oh, joli. Maman, touche pas mon gland. Maman, touche pas mon gland. Tiens, il y a la phrase. Je ne connais aucun titre de Youssoupha, non. Je ne connais aucun titre de Youssoupha, non. Imagine-moi chauve. Imagine-moi chauve.
Imouagile. Mec, vrai. Je tiens à dire, il y a plusieurs niveaux de jeu. Au premier niveau de jeu, quand c'est pas votre tour, vous avez le droit de rigoler. Ah, joli. Mais plus ça va, plus la soirée continue, plus on rajoute des règles. Une règle qui est importante qui s'appelle l'hollandaise. L'hollandaise, c'est quand la personne, pour essayer de se dédouaner le plus vite du mot, le répète trop vite. Il faut toujours un peu de silence, sinon on appelle ça hollandaise et l'équipe dit hey, hollandaise. Okay. Oli est sur son tel, mais c'est sûrement pour organiser des trucs géniaux car lui, c'est le seigneur du jeu. Ensuite, comme on va pas y jouer pendant 2 ans à ce jeu, il y a 2 petites règles à connaître. C'est si jamais on voit que ça patine, que ça traîne, il y a la rapinette. C'est-à-dire l'hollandaise est autorisée, mais ça doit aller très vite. Caca, caca, pipi, pipi. Ah, joli. Ah oui, attention, juste, j'ai un pull vert, petite incrustation de la part du monteur, ce qu'il veut. Merci. J'aimerais juste voir la première vidéo qui a été uploadée sur YouTube maintenant. And that's pretty much all this. Tes enfants, pas ouf. pas mal. Ça, c'est un sniper, c'est un one shot. Joli. Je chie rouge, c'est bon. Mon gros gland qui, lui, là, oh, ça jouit. Proposition, mode de jeu, j'adore. Inversion. À tout moment, le maître du jeu, le maître du jeu peut dire, on change de sens. Je suis à fond derrière François Bayrou. Je suis à fond derrière François Bayrou. J'ai chié un mini Mac. Non, là, c'est. Allez, vas-y, il s'est fait rire tout seul. Oh là là, elle est géniale, elle est trop Elle est parfaite. La finale. Tu veux faire une rapinette? Ouais. C'est Carlito qui va servir sur Flo. Rapinette, 1, 2. Les gilets jaunes, oh là, castagne. Les gilets jaunes, oh là, castagne. Un gâteau, foutre. Un gâteau, foutre. Eh, hey, le rappeur sur ton t-shirt. Il rappe vite. Eh, le rappeur sur ton t-shirt. Il rappe vite. Eminem, j'aime pas de ouf, je trouve qu'il est mauvais, c'est bon. Eminem, j'aime pas de ouf, je trouve qu'il est mauvais, c'est bon. Écoutez. Il l'a eu. Le grand gagnant, c'est bon. Gagnant de Acadie. Là, vous appelez ça, là, La Carly. Voilà. Très beau, okay. C'était la Carly, les amis, ça s'applaudit. Melo de Legendary. On s'est jamais mis d'accord sur Carl parce que j'ai un petit jeu, c'est une énigme que j'ai déjà fait en soirée. Je pense que certains la connaissent déjà. On ne donnera pas la réponse dans la vidéo, les gens devront le trouver en commentaire. Ok. Le titre, ça s'appelle Fais-moi un vrai. Faut être attentif. Ok. Regardez. Tip top. C'est un vrai. Tip top. C'est un faux. C'est quoi le dernier que t'as dit? Attends, refais. C'est quoi le dernier? Je une fois. Regardez. Tip top. C'est un vrai. Ça, c'est un vrai. Tip. Ah! C'est un faux. Refais encore une fois, j'ai besoin de voir. Tip top. Ah, ça, c'est un vrai, ça, direct. Je l'ai reconnu direct. Tip. C'est un faux, ça. Faites-moi un vrai. J'ai pas eu encore. Attends. Oh putain, refais-moi s'il te plaît. Regardez. Ça, c'est un vrai, ça. Sûr et certain que c'est un vrai. Oh, le zizi. Non, mais là, c'est trop con. Mais c'est un faux. Soit je le fais, soit vous en faites un et je vous donne la réponse. Non, fais un vrai. Chers amis, je vous aime tous. Merci pour tout ce que vous nous apportez. Oh là là. Cette vidéo est légendaire. J'ai besoin de faire des bilans. Et les gars, je pense avoir trouvé. Donc. Alors, fais-moi un vrai. Ok, allez, regardez. Fais-moi un vrai. Oui, c'est un vrai. Ah ouais. C'est un faux. Okay, je vous propose. Là, je vous fais un vrai, d'accord? Je vous fais un vrai. C'est un faux. Ça c'est bien. Tu te remontes un vrai ou faux? Ok, regardez. C'est un vrai, ça de ouf. Conseil, t'écoutes pas assez. Non, c'est un faux. Ah, ok, on fait un dernier et c'est aux gens de trouver un commentaire. Oui. Regardez. Ça c'est un vrai. Ah, ça c'est un faux. Ça c'est un faux. Ok, je l'ai. Ah, oh, c'est vrai? Ouais, fais-moi un vrai. C'est impossible qu'il l'ait. Je vous fais un vrai, ok? Ouais, regardez. Ça c'est un vrai, c'est un vrai. Ah, je refais un vrai. Ouais, refais un vrai. Regardez. Ouais! Magnifique. Et là, et les autres, ne dites pas la réponse, ok? On garde pour ceux qui ont... C'est beau, ça. Le problème, c'est que ceux qui ont la bonne réponse vont le faire monter en top com. Ouais, c'est écoute, c'est un petit jeu. C'est la démocratie YouTube, les c'est amis, le jeu. Les amis, j'ai un petit jeu. Vous avez le droit de me dire c'est qui ou c'est quoi. Vous avez le droit de choisir. Okay. C'est qui ou c'est quoi. Mais là, vous voulez quoi? C'est qui ou c'est quoi? C'est quoi? T'as un chien avec un pied. Faites comme ça, il faut regarder et faire c'est quoi? C'est quoi? Accentué à Gérard comme Gérard Géniaux. C'est quoi? C'est un chien avec un pied et une claquette. Mais attends, ça veut dire que quoi? C'est le pied ou le chien de quelqu'un? Deviner, c'est quoi, cette photo là, elle est historique. C'est quoi? Je vous demande pas c'est qui. Je vous demande. C'est quoi? Je vous demande même pas. Je vous demande un chien avec un pied. Je vous demande même pas c'est où. Je vous demande. C'est quoi? Je vous demande pas c'est qui. Je vous demande. C'est quoi? C'est quoi? Ah, c'est quoi? Oh, le gimmick. Oh, le théâtre. C'est quoi? J'imagine que c'est le chien d'une star. C'est faux. J'imagine que c'est cette photo. Pas ce chien. Parce que sinon, je sais ce que c'est. Non, j'aurais dit. Je crois savoir ce que c'est. Vas-y. C'est la première photo d'Instagram. Oui! Oh 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 regardez,
c'est le format. La première photo. J'ai reconnu le format. C'est la première photo qui a été postée sur Instagram. Oh, j'espère que vous avez aimé mon jeu. J'ai des. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Ok, j'ai. Ah ouais? C'est Elon Musk. C'est qui? Le patron de. Je sais plus quoi, les trucs dans l'espace là. C'est lui qui nous envoie sur Mars, c'est lui qui a créé PayPal. C'est faux, c'est faux. Est-ce que c'est un mec qui a inventé quelque chose? C'est un grand inventeur. Il a inventé un truc qui a révolutionné nos vies? Il a révolutionné nos vies à nous quatre. Mais je sais, alors je sais qui. Instagram, créateur d'Instagram. C'est un des mecs de YouTube, c'est un des premiers gars qui a créé. Il est fort, il est trop fort. Bon les gars, si je vous dis. C'est qui? 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 C'est Billy Crawford. À chaque fois il dit ça. C'est Billy Crawford? C'est faux. C'est faux. Moi je sais, moi je crois ça. Oh non, bah, arrête, sûr, mais non, mais c'est pas vrai. Toi, t'as pas le droit de jouer. Non, je crois tu ça. Après, t'as pas le droit de jouer. Bon, si vous trouvez pas, j'ai le droit de. C'est quelqu'un. C'est mec là. Est-ce que ce mec là, t'es en soirée, tu parles avec lui. Mais tu lui dis. Ah ouais. Ok. Ok. Pardon. Il a fait, il a été star jeune. Moi ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Dis. C'est un ex enfant star. C'est faux. Ah, tu joues bien. C'est le mec qui a inventé le carré. Non non. Je sais qui c'est. Je me souviens. Juste. Je vois sa tête. Je te jure que je sais. C'est juste. Est-ce qu'il est riche? Très riche. C'est Olivier Besancenot. C'est fou. Est-ce qu'il est ricain? Oui. Est-ce que c'est un sportif? Non. Un comédien? Non. Il a inventé un truc lui aussi? Non. C'est en rapport avec le sexe? Non. Le sport? Non. One Piece? Non. La natation? Non. Apple? Non. Sport, la natation. Ok, crie la réponse la là. La frustration. Oh là là. Oh là là. Ah, le roi arrive. Le musique. Roi du jeu. Il s'agit du fils de Michael Jackson. Putain, mais. Ouais. Yes. Voilà, la vraie réponse c'est ça, c'est le fils inconnu de Michael Jackson. Les amis, je sais pas envie de vous dire c'est quoi. C'est qui? T'as l'inventeur des emojis? Oui. Il y avait un indice, il était entouré d'émojis. Le mec il donne la réponse. Il met un japonais avec des émojis. Il y a l'invention. Est-ce que le jeu vous a plu sérieusement? Non, 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 c'est génial, c'est génial. Vrai ou faux? Faux. Bien à la porte. Il y a passe-partout de Fort Boyard. Cette là. Porte où depuis tout à l'heure il y a. Les gars, arrêtez de rire, écoutez. Un vrai truc. Écoute, si c'est vrai, je meurs de rire. Les gars, donc pour vous c'est faux-faux? C'est faux, c'est faux, j'entends pas, j'entends pas. C'est faux, c'est impossible frère. Ça n'existe pas, j'en ai marre. J'en ai marre de ce jeu déceptif. Déçu. Eh oui les gars, ça va bien. La légende. Oui. Les gars, respectez. Ça va bien. La légende les gars, je voudrais qu'on l'applaudisse. C'est légende. C'est fou. Regardez. Ça va ou quoi? Enchanté, c'est incroyable, c'est mon idole. Eh, je suis fan de vous, je vais nous demander un autographe. Directement. Bah ouais. Mais mec, t'es un génie. T'es un génie. Vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, ça change de Fort Boyard. On s'y attendait tellement pas. Mec, c'est. Parce qu'ils me disent c'est impossible. Ça fait combien de temps que t'attends à cette porte? Des jours. Les gars, petite info. C'est fou. Petite info d'ailleurs, on va faire Fort Boyard l'été prochain. Combien d'années de Fort Boyard, frérot? 30 ans. Non, non, les gars, ça s'applaudit. On va vous dire. Et quand j'ai commencé, j'étais tout petit comme ça. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu parce qu'il s'est. Les gars, il est venu pour ça, pour le vrai. Les gars, c'est incroyable. Mais marre, je vais pas écrire passe-partout. On y a. T'as ouais, un prénom. C'est quoi ton nom, ton prénom? C'est André, mais on m'appelle Dédé. 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 Ouais, appelez-le Dédé quand vous l'auriez. Je suis. Ouais, je veux dire, écoute-moi, je suis honoré que tu sois ici dans ce. Oh ouais, mec, c'est. Merci. Et Oli, t'es incroyable, bien après. Les gars, non mais c'est une légende. Tu sais que nous, on a dit faux. On a dit faux. Ça fait plaisir d'être avec vous. Oh la vache. Dédé, est-ce qu'on peut faire un truc? Est-ce que t'en as marre qu'on te demande de faire ça ou pas? Y'a pas de soucis, on peut le faire. Parce que nous, c'est le Méli Mélo 2, s'il peut le faire avec ah, nous. Ah oui. Méli Mélo, Méli Mélo, Méli Mélo, Mélo 2. Mec, cette vie. En plus, il vient avec le disco, c'est quoi? T'as viré le fond, tirez-vous ce disco, il est très bien. Les gars, on peut applaudir Dédé. Putain, c'est incroyable, il s'en va comme ça, comme il est venu. Les gars, on l'applaudit. Ah là 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 là, monsieur passe-partout, la légende. Merci. Merci beaucoup, c'est fou. Alors les gars, t'es le mec, t'es le roi. On l'avait dit ou pas, légendaire. C'est dans le titre. Que serait Méli Mélo sans Oli? Ah non mais mec, c'est le grand Manitou du Méli Mélo. J'avais envie de le rencontrer depuis si longtemps. Mais c'est incroyable. J'en ai vu des stars et ça m'a fait bizarre, on a tellement mais oui, mais oui. Et tu sais, il nous a fait le 2 quoi. Oui. Allez les gars, on continue. Ok, j'ai ce jeu s'appelle, vous allez dire avec moi, la boxe pour les cons. La boxe pour les cons. Flo Sab, viens, c'est notre réalisateur, notre cadreur attitré, viens dire un petit coucou. Coucou. Voilà. L'endroit le plus insolite, tout à fait l'amour. En Corse, dans la nature. Wow, oui. Joli, joli. Flo et Corse, gros big up au Corse. Pour la petite anecdote, moi j'ai fait de la boxe pendant 3 mois à Courbevoie. Il y a un entraînement qui n'est pas celui-ci, mais qui y ressemble, c'est-à-dire que tu dois allier la précision et la force. Ok, mettons. Bah, il faut. Wow. Tarteau, tarteau, citron, tarteau, tarteau. Citron. Vous savez quoi? On va pas la gâcher quand même. C'est ça qui est beau. On va quand même pas la gâcher. Non, non, ah. Donc déjà, sachez qu'avec McFly, la nourriture n'est jamais gâchée. Ce gars, il était très drôle et en plus délicieux. Tarteau, tarteau aussi. Ça se voit qu'il a pas de jeu et qu'il essaie de combler avec des impros. Donc,
Il y a un trou ici. On va se mettre là chacun autour. C'est un jeu d'abrutis, mais que vous pouvez quand même pratiquer en soirée, c'est vrai ou pas? C'est pas vrai. Bah, il faut avoir le cabanes mobi. Il suffit d'avoir en soirée un trou assez petit. Melimelo, 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 Melo de Legendary. Parce que cette vidéo est légendaire. Vous devez frapper le plus fort possible. Oh la vache. Au milieu de ce trou, sans toucher les bords. Il faut y aller à fond. Ah ouais, c'est ça le jeu. Les gars, c'est. Et bien sûr, je ne commence pas. Recule un peu, fais gaffe là, t'es vraiment trop près. Allez, tu donnes. Oui, on y va à fond. Mais non, il n'y a rien. Non, mais mec, c'est nul à chier. 3, 2, 1, go! Oh! Ok, à moi, j'adore par contre, j'adore. Mais oui, mais mec, tu vas. Allez, allez, frère, allez! Allez! Ah! Non, vous le faites exprès! Mais non! Mec, tu veux. Allez, essaye! Allez! À fond, allez, rapproche-toi, t'es prêt! Allez, 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 à fond! Ah! Juste le bout! C'est ça le pire, à toi! Allez, plus près, plus près! À fond, à fond! Tu tentes pas, tu tentes pas! À fond, non, non, pas une sèche, gros! Une sèche, une sèche! Non, mais il y arrive! Mais il n'ose pas! Il y arrive pas! Non, non, non! Allez, stop, stop! Psychologiquement, les gars, c'est intéressant, c'est que tu n'arrives pas à aller à fond! Non, mais j'arrive pas à aller. Non, mais ça veut dire un truc! Oh! 1, 2, 3! Ouais! Il était beau celui-là! Il y a eu un frôlage! Il y a un frôlage! Allez, 3, 2, 1, patata! Oh! Non, mais McFly, tu vas faire super mal! Il aime lui! J'adore ce jeu! Il adore, tu vois! J'adore ce jeu! Je suis content! 3, 2, 1, patata! Mais c'est vrai que moi aussi j'adore, putain! Oh! Les gars, je montre la lettre de ce jeu! Juste pour faire question de sécurité. Les gars, tout le monde comme ça, tout le monde comme ça, tout le monde comme, ça. Ok, ok, petit brief. Petite mention, les gars, ce jeu est très con. Même s'il y a un petit truc d'adrénaline, il est très con. Voilà. J'ai un jeu en rapport. J'ai un jeu en rapport parce que j'ai organisé quelque chose, je suis désolé. Ok. C'est le. Vous vous souvenez du nom prénom? Oui. Ben on va passer à une fille, les amis. C'est le nom ou. Prénom. Le jeu, il est simple, le principe, il est cool. Devinez le nom d'une personne inconnue, on est parti. Oh, oh il annonce prénom, bien, il énonce si bien. Ça va? Bonjour. On applaudit. Voilà. J'ai très mal à cette main, je te sers l'autre main. Ça va? Très bien. Comment vas-tu? Ça te fait parce qu'on transporte. Ouais, désolé pour l'odeur. Ok. Je propose pour tenter le coup de génie que ce soit Flo qui essaye, encore une fois. Parce qu'en fait, je t'explique, tout à l'heure on l'a fait, il a deviné du premier coup avec un gars inconnu. C'était. Ah, oui. Non, si. Quoi? Ah, c'est un fou. Est-ce que toi t'as un prénom compliqué ou pas? Non. Non, mais. Enfin, nos clous! Tu t'appelles Manon. Ah par contre c'est fort parce que ouais. C'est vrai que Manon ça te va bien toi. Ah, ça te va bien. Carla. On vient. C'est presque ça, c'est tellement presque ça que je. Quoi? Bah, non, comment elle a été choquée? Attends attends. Non mais c'est pas possible. Attends, mais c'est pas vrai que ça allait. Mais c'est pas possible. Je sais ce que c'est du coup. C'est quoi? Mais tu t'appelles Clara. Oui. Oh, les deux sont incroyables. Putain, ça va. Et vous avez vu comment elle a balisé? T'as vu le. Mais y'a combien de prénoms sur Terre? Y'a combien de prénoms sur Terre pour? C'est incroyable! Vous savez, je pense qu'il y a un truc que on a la gueule de notre prénom. Ou on a le prénom de notre gueule qui est un délire. Moi j'y crois à fond. Ok, big up à Clara! Merci. Il en pense, il en pense, il en pense! T'as rien dit quoi lui offrir quelque chose? Tiens, le livre de Squeezie qui était pour McFly. Merci. Merci. Merci, on te kiffe. C'est incroyable ce jeu. Et en gros, c'est le meilleur des scénarios de le trouver vite. Non, mais attendez, disons. Non, mais je sais plus comment dire. Je vous jure, pareil. Ils vont pas, ils peuvent pas croire, ils peuvent pas croire que c'est. Là c'est sûr, en fait qu'on se le dise et on le dit, ils ne peuvent pas croire. Les amis, je sais pas si vous vous souvenez, dans la première vidéo j'avais proposé un petit jeu. Ça s'appelait la chasse aux. C'est très simple, c'est le premier qui reviendra ici le plus rapidement possible avec un selfie, avec une personne chauve. C'est la chasse aux chauves. Ah la vache. C'est la chasse aux chauves. Attendez, ah, attendez, attendez. Chauve. Qu'est-ce qui est considéré comme chauve? Chauve, vraiment sans poil, qui a été rasé. Tu t'imagines encore la mousse qui partait là, comme ça. Carlito, ça compte chauve. C'est la limite. Non, non, non. Quoi, mais quelle limite? Non, ça compte pas. Ça compte pas. Non, c'est pas chauve. On va le faire dans le bureau pour des raisons de sécurité. Tous les étages ici, il y a plusieurs étages. Vous connaissez pas tout le monde. Vous connaissez pas tout le monde. Ah non, pas du tout. Pas le droit d'aller voir un chauve que vous connaissez dans votre étage. Ok, c'est vrai que nous on connaît les bureaux, quoi. Mais bon. Les amis, à vos selfies, vous pouvez jouer tout le temps en respectant les gens, jamais sans les insulter, sans les dénigrer, toujours avec amour et avec respect. On check en disant le nom d'un chauve. Célèbre, attention, c'est faites-le chez vous aussi. Pascal Obispo. Vincent Lagaffe. Louis Baudin. Allez, on y va. Pas qui s'arrive. C'est parti, les gars. Je vais prendre mon badge, ce sera nous. Je vais être plus efficace avec mon badge. C'est là où je vais les ken. Y'a pas de choc. Attends. Y'a pas de choc. C'est bon. Je peux prendre une photo avec toi. Juste dites que. Troisième étage. Je le sens bien au troisième étage. Feeling pour troisième étage. Ça se chauffe. Je vais dépasser en ligne. Je l'ai. Je l'ai eu avant. Putain. Flo. On a eu le même, mais je l'ai eu avant Flo. T'as juste couru 2 secondes de plus, quoi. Bien joué. Bonjour, je suis désolé. Est-ce que vous vous dérangez? Est-ce que je peux faire un petit selfie avec vous? Oh, très ravi. Ok, on y va. Merci beaucoup. Ouais. Merci à tous. Merci à tous.
Oh non. Eh oui. Mais il est parfait, par contre j'ai le meilleur chauve de la chasse aux chauves. Il est très chaud. Regarde, très beau, très beau. C'est genre il y a rien. Il y a plus rien. C'est genre ça se rase tous les 3 jours, tu vois. C'est propre. Et t'as vu comme il est beau, j'adore. On fait un jeu où on doit prendre des photos avec des chauves ou semi-chauves. Ouais. On peut se faire ça dérange pas? Bien sûr. Une photo ensemble? Bien sûr. C'est pour une vidéo. Je sais pas s'ils vont le valider, mais merci. Il arrive, il arrive. Ouais. Ça fait 15 minutes. Bon, ouais. T'as eu un chauve? Même pas tant. Quoi? Un débat. Bah, je vous montre, vous me dites. Vas-y, oui. Vas-y. Même ça pleurait très. Qu'est-ce qui t'est passé? Attends, tu es plus chauve que le. Mais c'est incroyable! Il a pris un mec. Plus de cheveux que lui! Juste, par contre, vous êtes arrivé en premier, certes. Je suis arrivé en premier. Ok, mais la qualité de mon chauve était quand même. Oui, c'est vrai que t'as un est-ce que la qualité du chauve influe sur le jeu? Bah, je oui, pense. Évidemment. Est-ce qu'on peut dire du coup que t'es chauvin? Bah là, pour l'occurrence, y a pas de jeu de mots, mais. Mais c'est chauvin, chauvin était fier de ton chauve. Ah, ok, ouais, bien vrai! Si. Ah, oui, oui! Un petit jeu. Oh, un nouveau jeu! Ça s'appelle le conte à Remont. Le conte à Remont! En fait, c'est un jeu que je viens d'inventer parce que j'ai eu l'idée avec les chauves. On doit se checker comme ça, chacun, tac tac, en disant quelque chose. Et celui qui en a pas, il est direct éliminé, ça continue. Dessert, Paris-Brest. Opéra. Millefeuille. Tartelette au citron. Forêt noire. Bon chocolat. Framboisier. Éclair au choco. Pain au lait. Ah, poire. Quoi? Poire. Poire, bah non. Poire, ça ferait c'est vrai, c'est vraiment juste un fruit. Non, c'est juste un fruit. Oh la poire. Non, allez, allez, sois mon joueur. Allez, la team poire, soyez présents en commentaire. C'est un fruit. Marque de vêtements. Nike. Fila, New Balance, Adidas. Oh, Reebok. Coach sportif. Ah oh. Allez, joli. Dégage, allez. Mais mec, c'est les meilleurs jeux. Tout simplement, les couleurs, c'est parti. Rouge. Mauve. Magenta. Bleu, allez plus vite. Vert pomme. Violet. Rose. Bleu royal. Jaune. Vert. Bleu azur. Orange. Tu l'as dit après le tu l'as dit. Oh yes, encore un jeu gagné par moi. Bravo. Ok, messieurs, rassemblement. Papa, papa. Meli Mello de Legendary. Merci, cette vidéo va être légendaire. Vous vous rappelez, Meli Mello 1, vous m'avez bien charrié à propos de mon idée de jeu qui était on surjoue quand on perd au démineur. On l'a même pas fait. Ah, oh, bah oui, c'était la pire idée. J'ai trouvé une finesse. Le jeu s'appelle on joue bien la comédie quand on perd au démineur. À la clé, pour celui qui jouera mieux, le mieux la comédie, un Oscar cassé. Oh ouais, alors attention les mecs, bien jouer la comédie, c'est-à-dire on va perdre et on doit bien jouer la défaite et la déception. Pas de surjeu, c'est mal joué. Pas de fausseté, pas de caricature, du vrai beau jeu. On veut du Pio Marmaille, ok? On veut du François Cluzet. Les gars, le démineur c'est quoi le jeu? C'est un petit jeu où faut pas tomber sur la bombe. Le but du démineur est de découvrir toutes les cases de livres sans faire exploser les mines. Excuse-moi. Allez, je commence. Joue bien la comédie surtout. Allez, vas-y, il faut bien jouer. Ah, c'est con là, j'ai. C'est dommage, j'ai. Tu appuies sur. Voilà. Bon, tant pis, les gars. Voilà. Nouvelle partie. Flo, regarde. Il y a rien de mieux. Ah, putain, fais chier. Fais chier, putain. C'est ça le jeu. Et pourquoi ça vous fait mal? C'est trop bien. J'adore, ok, vas-y. Tu vois, Flo, à toi. Merde. Il a échoué. Faites ce jeu chez vous. À moi, le créateur du jeu qui est content. À toi. J'ai 3 mecs à terre. En plus, vous savez vraiment pas jouer par contre. Non. En vrai, les gars, le démineur ça tue. Hein. Bah, c'est parce qu'avec mon père, on jouait pas quoi. Ah putain, fais chier. Ça me saoule. Voilà. C'est chiant là, c'est casse-couille. Mais les gars, c'est le pire jeu. Mais c'est parce que c'est d'un vide tellement grand. À qui va l'Oscar? Je vois ta main levée, qui vote pour McFly? Ok. Qui vote pour McFly? Il joue seul depuis tout à l'heure. Il nous a dit, tout le monde s'est moqué de moi sur l'ancienne vidéo. Mais là, c'est le niveau au-dessus. Je pensais qu'il allait avoir grand-père des explosions ou de la chantilly, des trucs. Il a dit, il faut jouer bien. Je me suis imaginé un démineur en taille réelle en bas avec tout un truc oui. De ouf. Rien à changer quoi. Faut juste okay. Ah merde. Legendary. Qui vote pour moi? Qui vote pour... Toi tu votes pour moi? Qui vote pour Oli? Qui vote pour Big Flo? Qui vote pour Carlito? Bravo Carlito. Le gagnant du démineur de l'humour. Voilà, c'était pas cool, non? Bah merci à toute la famille, merci à Mathilde, merci à toi mon frère bien sûr. Voilà, c'est un taf, c'est du taf. Enfin, merci à toutes les équipes techniques et voilà. Et merci à vous public. C'est un truc sans vous, on est rien du tout. Et cet Oscar, il est à toi, merci. Il est à vous aussi. Hein. Il est à vous, il est pour vous. Celui-là, il est pour vous les frères. C'est le moment du vrai ou faux? Faux! Vrai ou faux? Il y a un mouton fan de Big Flo et Oli qui est derrière la porte. Non. Un mouton?
J'en ai marre. Non. Mais non, mais les gars, des vrais, faites des vrais. Un mouton quoi? Genre un mec déguisé en mouton ou... Ça dépend. C'est un vrai mouton. J'ai dit la phrase, un vrai, un authentique animal. Un mouton animal. Fan de Biflo et Oli. Bah non. C'est encore un truc de Carlito. Si allez, un... qui va ouvrir les gars? Si un mouton. J'y vais? C'est la meilleure chose. Mets-toi bien derrière la porte, tu sais. C'est pas possible. Il s'en va, attends, il a une pleure dessus. Les gars, il y a un mouton. Les gars, ça passe pas dessus ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, il y a un, on est où là? C'est les gars. Il est sublime. Ça aime les caresses, les moutons. Oula. Les gars, j'hallucine là. J'hallucine. Il y a un mouton fan de Mick. Et Carlito, t'as mis la barre très haute là. C'est très gentil, on est d'accord. Je crois qu'il vient d'une ferme du Val d'Oise ou d'un. Écoutez-moi. Eh, il a l'air calme. Ah oui. Il est muni d'un pull fait avec cette matière. Avec ah, donnons-lui un nom, les gars. Je veux des fan art, les amis, de ce mouton fan de Big Flo Oli qui s'appelle Yannick. Je le vois voir à nos concerts et tout. Les gars, fan de Big Flo Oli, en fait, j'ai... C'est pas possible. Oh, c'est trop mignon. Oh, il veut vraiment partir. Allez, il est en train de sa ferme, les gars. Qu'est-ce que tu fais là? Mais j'étais assise là tout à l'heure, je faisais une petite pause. Tu vas voir le mouton? Viens voir le mouton. Il est trop beau. Il s'appelle Yannick, on a tout. Oh, il est sublime. C'est quelle race, hein? Mouton. Les frères, on dit au revoir, Yannick. Au revoir Yannick. Yannick. Les gars, bravo les gars. Merci d'avoir joué le jeu. Yannick, merci à toi. Et maintenant Yannick, tu obstrues le. Au revoir Yannick. Salut Yannick. Au revoir mon Yannou. Ciao Yannick. Putain les gars. Vrai ou faux? Je voudrais qu'on applaudisse. Et McFly aussi, on applaudit Carlito, vraiment. Les gars, c'est énorme. Les amis, je le dis aujourd'hui et je m'en fous même si vous validez pas. Il y aura un Melly Melo 3 parce que moi je peux pas m'arrêter là. Les gars, le 3 il va être un universaliste. Mais le 3, il faut des trucs de dingue, les gars. Attendez. Est-ce qu'il vous reste des jeux McFly? Est-ce qu'il te reste un jeu? Non. Moi j'ai rien, Flo. Moi j'ai tout donné. Ok, demandez-moi s'il m'en reste un. T'en reste un? Il m'en reste un. Et ce jeu s'appelle Concert pour un mec qui s'en branle. C'est la fin, les gars. Les amis, j'en profite pour faire de la pub pour l'album. L'album vient de sortir, La Vie de Rêve. Vous arrêtez pas au son de radio et à notre image de merde. Allez. Un petit panneau vers la gauche, faut ça, montre-nous ce qu'il y a dans cette salle. Ok, let's go. Trois chansons devant un mec qui s'en branle. Il y a deux micros. David Dumont reste là-bas. Max, fais péter l'instru. Il y a vraiment un mec. Vous avez le droit de demander des retours, des réglages. Yeah. Louis prend son bus comme tous les matins. Je croise cette même fille avec ça. Il s'en bat qu'elle vient de lui parler. Il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais Louis, à toi. Il est timide et elle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son ciel. Une fois elle a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, tout le monde. Ah, elle aurait dû y aller. Allez, les gars, mais c'est elle aurait dû se plaire. Crois-moi, on a tout dit. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. C'était la dernière fois. Ses amis sont sortis, viendra lui tenir compagnie. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Mais quand tu lui prends le bras, c'est pas pour la vache, je sais pas. On a tous dit assez dommage. Assez. C'est dommage, du coup, on a compris. Hein. C'est difficile. À la fois. On va terminer là-dessus. En musique, il faut que je parle. Ça va vibrer dans mon oreille quand j'étais dans ses bras. Les chansons à la guitare, les bisous avec un yes. Pas de poids du lycée, avec mélancolie. Pendant que sur le canapé, je me réveillais dans mon lit. Il m'a laissé veiller devant les films que j'aimais. Il m'engueule jamais. Le pire, c'est quand il dit le prix pour que ça dure. Il prend de l'âge, je lui dans ses courbatures. Merci d'avoir suivi Melly Melo 2. Hello. Bientôt pour Melly Melo 3. Vrai ou faux? Faux. Est-ce que je peux éteindre 10 allumettes avec ma bouche? Faux. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh. Ok, ne faites pas ça chez vous du tout. Merci pour cette vidéo, n'hésitez pas à nous envoyer les dessins, les hashtags qu'on a demandé, jouer au jeu. Et pour le frérot là-bas, je sais que ça va te faire plaisir. On te met 4 invites pour venir à la Défense Arena le 26 octobre, ça te fait plaisir? Les amis, j'ai envie de dire quelque chose parce que au-delà d'être des youtubeurs, vous êtes des amis.
Non, moi je voulais dire, parce que tu m'as coupé tout à l'heure, je voulais dire un vrai truc. La première fois qu'on les a croisés, c'était sur les anecdotes, c'était il y a 2 ans et quelques. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Big Flo et Oli. Salut les amis. On a senti une alchimie dès qu'on est rentré dans le studio, il s'est passé un truc. J'avais l'impression de les connaître déjà depuis des années. Et depuis, on est restés très amis. Il n'y a pas, quasiment pas un jour où on s'écrit pas. On a une petite conversation iMessage. C'est vrai. Donc on n'est pas là que pour les vidéos et tout. On est amis dans la vie. On s'est déjà vu plusieurs fois en dehors des vidéos. Et voilà. Il est juste. Et on espère que tout ça, ça se ressent en vidéo. Les gars, merci déjà à vous. Ah, c'était un tournage de fou. Max, monte sur la table 2 secondes. Il a reçu des textos encore hier soir pour des derniers trucs. Bravo. Incroyable. Bravo, Max. Max avec nous, ça fait. Meli Melo, Meli Melo, Meli Melo, Melo 2. Légendaire, parce qu'on estime que cette vidéo va être légendaire. Je m'en branle vraiment. Big up à Oli. Big up à tous ceux qui, comme Oli et moi, sont allés en colo parce qu'il n'y avait pas trop de thunes et que nos darons nous envoyaient en colo et on vous aime les darons. Big up à tous les gens qui ont... Moi j'ai fait qu'une colo, j'ai pas un souvenir de fou, qui ont du coup un rapport médiocre avec les colos. Moi j'ai fait une, deux seulement, colo musicale. Ça s'appelait VMSF Vacances Musicales Sans Frontières. Génial. Tu parles, il y a des salles avec des instruments et des profs, tu bookes des salles et tu vas faire de la zik avec des potes. T'as baisé.